Jean Fouquet. Son nom, un peu oublié par l'histoire, ne vous évoque peut-être pas grand-chose et pourtant, il était une star au XVe siècle. Peintre et enlumineur de génie au service des rois de France, il contribue à faire entrer la Renaissance dans notre pays en faisant la synthèse artistique entre les innovations flamandes et italiennes. On lui doit des portraits d'un incroyable réalisme qui ont stupéfait ses contemporains et des nouveautés troublantes que vous pourrez contempler au musée de Cluny à Paris à l'occasion de l'exposition « Les arts en France sous Charles VII » qui se déroulera du 12 mars au 16 juin 2024. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Jean Fouquet, le peintre des rois de France. Nous sommes en juillet 1461 au château royal de Mehun-sur-Yèvre, près de Bourges, dans la région des châteaux de la Loire. Cet été, il fait chaud. Mais le roi n'a pas envie de profiter de ces belles journées pour chevaucher dans les bois où la végétation luxuriante forme de fraîches allées verdoyantes. Charles VII est alité. Il a passé sa vie à reconquérir son royaume pendant la guerre de Cent Ans. Il doit beaucoup à Jeanne d'Arc qui l'a emmené se faire sacrer à Reims, mais il n'a rien fait pour la sauver du bûcher. Plus tard, il a vu sa maîtresse adorée, Agnès Sorel, mourir dans d'étranges conditions, peut-être empoisonnée, et maintenant, il observe son fils attendre sa couronne avec impatience. À 58 ans, Charles VII est un roi fatigué, usé, qui redoute d'être empoisonné et préfère jeûner alors que la maladie le ronge. De toute manière, un abcès infecté au niveau de la gencive rend l'absorption de nourriture impossible. La douleur est insupportable, elle lui fait perdre la tête. Le mercredi 22 juillet, Dieu semble enfin décidé à mettre fin à son agonie. Le roi meurt dans l'après-midi, après avoir reçu les derniers sacrements. Vite, il faut immortaliser au moyen d'un masque mortuaire les traits du souverain pour la postérité avant que la chaleur et la pourriture n'aient abîmé complètement son visage. Pour un travail aussi délicat, on ne peut faire appel qu'à un seul artiste, le meilleur du royaume, Jean Fouquet. Mais voilà, il est à Paris. Il faut aller le chercher en urgence. La France du XVe siècle est chaotique. Elle est ravagée par la guerre de Cent Ans. Et paradoxalement, cette période de conflits sanglants est aussi une période de renaissance des arts. En cette fin de Moyen-Âge, on est en plein dans ce qu'on appellera plus tard en histoire de l'art le gothique international. C'est l'époque des grandes cathédrales tout en dentelle de pierre qui laissent entrer la lumière par d'immenses vitraux. L'art du portrait est en pleine révolution. Il devient très en vogue dans l'aristocratie. Vous savez, c'est cette époque où on peint les nobles de profil parce que c'est plus facile que de les dessiner pleine face. En peinture et en enluminure, c'est-à-dire le dessin sur parchemin dans les livres religieux, on recherche plus de réalisme et les couleurs sont éclatantes avec des ors, des rouges et des bleus vibrants. Les très riches heures du duc de Berry, un livre de liturgie aujourd'hui conservé au musée Condé du château de Chantilly, est un exemple parfait de livre enluminé dans le style gothique international. Le propriétaire de ce chef-d'œuvre meurt en 1416, à peu près au moment où naît Jean Fouquet à Tours. Dans son enfance, notre futur artiste est le témoin des remous de l'histoire. En 1429, alors qu'il est à peine adolescent, le jeune roi Charles VII est sacré à Reims grâce à Jeanne d'Arc. C'est plus ou moins à cette époque que Jean Fouquet commence sa formation aux arts, mais on ne sait pas où il l'a fait. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il connaît parfaitement les innovations des artistes flamands. La zone qui correspond peu ou prou aux Pays-Bas pour nous est en pleine effervescence artistique. On appelle les peintres de cette époque les primitifs flamands. On attribue au peintre Jan van Eyck la création de la peinture à l'huile au début des années 1430. La technique de la tempéra est connue depuis l'Antiquité. On mélange les pigments à une émulsion, souvent à base d'œufs. Le résultat est parfois un peu terne et la matière n'est pas facile à travailler. La peinture à l'huile permet de mieux fondre les couleurs parce qu'elle sèche lentement. On est au tout début des natures mortes infiniment complexes et de l'introduction du réalisme dans l'art, surtout en matière de portrait. Jean Fouquet est parfaitement initié à la technique de la peinture à l'huile dès ses débuts.
Mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Au cours des années 1440, alors qu'il a entre 20 et 30 ans, il part se former et travailler en Italie où se déroule une autre révolution artistique. C'est la Renaissance italienne, le fameux Quattrocento. Pendant cette période, les peintres italiens imaginent des règles géométriques pour peindre correctement les perspectives. On voit arriver dans leur peinture des architectures monumentales et un traitement des volumes inédits. Encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que fait Jean Fouquet, mais on a des traces de son activité. On sait qu'il honore au moins une commande pour le pape Jeune IV puisqu'il a fait son portrait. Le tableau a disparu, mais des gravures qui le reproduisent sont parvenues jusqu'à nous. Il est certain qu'avant l'âge de 30 ans, Fouquet maîtrise le réalisme flamand et la perspective italienne. C'est un vrai petit génie de la peinture. Pendant ce séjour italien, il semblerait que Fouquet fréquente plusieurs maîtres toscans, dont Fra Angelico, l'un des meilleurs artistes de son temps, qu'on surnomme le peintre des anges. Il contribue à révolutionner la peinture de scènes bibliques en donnant plus d'humanité aux anges, à la Vierge et à Jésus, tout en les inscrivant dans des architectures complexes. Ses œuvres religieuses réalisées au couvent de San Marco dans les années 1430 sont des chefs-d'œuvre de cette période. Selon certains historiens de l'art, Fouquet et Fra Angelico ont peut-être même travaillé ensemble à ce moment-là. La seule certitude que l'on puisse avoir, c'est que le travail de Fra Angelico influence celui de Jean Fouquet. Quand le Français rentre enfin à Tours en 1448, il est au sommet de son art et se fait vite un nom d'artiste virtuose. À cette époque-là, on voit encore l'artiste comme un artisan. Le génie créateur ne suffit pas. On travaille à la commande et les clients des peintres sont les aristocrates, l'Église et le roi. D'ailleurs, le roi de France, Charles VII, a remarqué son talent. Vers 1450, il lui commande son portrait, une huile sur bois à la pointe de la modernité. Le peintre propose une vision novatrice du portrait royal. Le roi Charles VII est représenté à mi-corps, de trois quarts, entre des rideaux blancs ouverts sur lui, comme s'il apparaissait dans l'encadrement d'une fenêtre. Il porte un chapeau bleu rehaussé de fils d'or et un très large manteau rouge bordé de fourrure. Les plis du vêtement et le rembourrage au niveau des épaules lui confèrent une large carrure qui accentue une impression d'autorité et de puissance. Les mains du souverain reposent sur un coussin richement brodé, rouge et or. Maintenant, laissez-moi vous décrire le visage du roi, réalisé de manière réaliste selon les nouvelles tendances hollandaises. Charles VII a une cinquantaine d'années. Quelques rares cheveux, presque blancs, très courts, émergent au niveau des oreilles. Les joues sont rasées, seuls quelques poils clairs très courts accrochent timidement la lumière à la base du menton. Ses fins sourcils blonds forment des accents circonflexes au-dessus de ses petits yeux tournés vers la droite. On distingue nettement des pupilles claires, vertes. Malgré sa belle couleur, ce regard n'a rien de séduisant. Il est fatigué. Le peintre a représenté sans concession les poches sous les yeux et l'affaissement de la peau au niveau des arcades. L'impression d'épuisement qui se dégage du souverain est accentuée par la lourdeur du sillon nasogénien, le nez trop long et tombant et une bouche aux lèvres épaisses qui semble incapable de sourire. Pour finir, le menton est étroit, creusé par une fossette. Si la légende du tableau n'était pas le très victorieux roi de France Charles VII de ce nom, on ne serait pas sûr de voir un roi. On est loin des tableaux en tenue de sacre des Bourbons à Versailles. Mais personne avant Fouquet n'avait peint le roi de France d'une manière aussi réaliste. Ce tableau deviendra un modèle pour les autres peintres pendant plus de 100 ans. Il est aujourd'hui conservé au musée du Louvre, mais il sera exposé au musée de Cluny à l'occasion de l'exposition « Les arts en France sous Charles VII ». Évidemment, un peintre qui plaît tant au roi plaît aussi aux aristocrates qui veulent se faire représenter par le même artiste. Le trésorier de France, Étienne Chevalier, s'empresse donc de lui passer commande dans les années 1450. Il lui demande de lui confectionner un livre d'heures, c'est-à-dire un livre de prières, aussi spectaculaire que celui du regretté duc de Berry. C'est là que Fouquet va montrer son talent dans l'humineur. Mais Étienne Chevalier lui passe aussi une seconde commande beaucoup plus extraordinaire. Aujourd'hui, on connaît cette œuvre sous le nom de diptyque de Melun. Un diptyque, c'est une œuvre en deux parties.
Le diptyque de Melun se compose de deux tableaux sur bois presque carrés d'un peu moins d'un mètre de côté qui, à l'origine, étaient chacun dans un cadre en velours bleu orné de médaillons en émail doré et du monogramme E et E brodé en fil d'argent et rehaussé de perles. Les deux cadres étaient attachés ensemble. Je vais maintenant vous décrire le panneau de gauche. On y voit à mi-corps, de trois quarts, tourné vers la droite, le commanditaire du tableau. Étienne Chevalier a les mains jointes car il est en train de prier. Il a les cheveux bruns coupés au bol et l'ombre d'une barbe naissante sur le visage. Ses yeux sont clairs, son nez assez gros, sa bouche très fine. On peut pas dire que ce soit un prix de beauté, mais la richesse de son manteau rouge fourré en dit long sur son statut social élevé. À côté de lui se tient Saint Étienne. Le saint patron du commanditaire porte une riche chasuble d'un bleu intense, rehaussée de deux bandes or et pourpre. Comme ce martyr est mort lapidé, quelques gouttes de sang perlent du sommet de son crâne. Il porte dans la main gauche une Bible et l'un des silex qui a servi à sa mise à mort. Bon, comme c'est un saint et que sa présence est symbolique, il n'a pas l'air gêné par ses blessures, je dirais même qu'il a l'air serein. Les deux protagonistes s'inscrivent dans une architecture qui évoque l'intérieur d'une riche église. On distingue derrière eux un mur orné de pilastres ouvragés et des plaques de marbre. Kay montre ici toute sa virtuosité, sa capacité à peindre des portraits d'un incroyable réalisme, sa maîtrise de la perspective et sa capacité à rendre les matières, qu'il s'agisse de l'épaisseur d'un tissu ou de froids reflets minéraux. Nos deux protagonistes, Étienne et son saint patron, regardent le panneau de droite du diptyque. Et là, attention les yeux, on change d'univers. Jean Fouquet a peint la plus troublante des Vierges à l'enfant. Imaginez d'abord le fond entièrement composé d'anges rouges, incarnats et bleu roi. Il y a juste une petite touche de lumière symbolisée par un point blanc qui anime leur regard. Rien que ce fond étrange peut suffire à mettre mal à l'aise. Et au premier plan, à l'avant des anges, se trouve une Vierge à l'enfant à mi-corps sur un trône richement ouvragé. Cette Vierge couronnée est figurée sous les traits d'une très belle jeune femme à la peau d'un blanc laiteux. Elle a le front épilé, selon la mode de l'époque, des yeux clairs baissés sur son enfant, un nez bien fait, une petite bouche rouge délicate. Cette femme, c'est en réalité Agnès Sorel, la maîtresse du roi Charles VII qui passe pour la plus belle dame du royaume. Attendez, c'est pas fini. La Vierge porte un manteau d'hermine et une robe bleue virginale ouverte sur un sein nu plus rond qu'une pomme. L'enfant Jésus tout joufflu est assis sur ses genoux. Il a l'air bien trop grave pour un bébé et il pointe du doigt Étienne Chevalier et son saint patron sur le panneau de gauche. Cette Vierge à l'enfant est révolutionnaire. En peignant Agnès Sorel en mère de Jésus, Fouquet s'affranchit des vieux codes picturaux et confère à sa Madone une sensualité endiablée, si vous me passez l'expression. La Vierge à l'enfant est aussi un bon prétexte pour peindre du nu sans enfreindre la bienséance. Bah, elle est un motif classique de l'art, que voulez-vous? Mais là, on a une impression de souveraine nymphette au milieu de diablotins. C'est très troublant. Cette représentation de la Vierge s'inscrit probablement dans la mouvance de l'amour courtois. En magnifiant Agnès Sorel sous les traits d'une Vierge désirable, mais intouchable par définition, Étienne Chevalier montre en réalité son attachement à son souverain. Faire la cour à la dame de son suzerain était une manière de lui montrer combien il était supérieur à vous, puisqu'il possédait une amante fascinante. Ce diptyque était destiné à orner la collégiale de Notre-Dame de Melun, où devaient être inhumés Étienne Chevalier et son épouse. Après cette commande, Jean Fouquet est définitivement devenu le peintre de la cour de France. En 1461, à la mort de Charles VII, on va même le chercher en urgence à Paris pour faire le masque mortuaire du souverain défunt. Le peintre est maintenant engagé par des églises et le roi Louis XI, dont il devient le peintre officiel en 1475. Quand il meurt en 1481, il est un homme riche et célèbre. Bien qu'il ait participé au renouveau pictural en France, Jean Fouquet finit par passer de mode et par être oublié quelque part entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il faudra attendre l'essor de l'histoire de l'art et la création des services de conservation du patrimoine pour qu'on le redécouvre. En 1904, la Bibliothèque nationale de France lui consacre une exposition. On prend alors conscience de son apport à l'histoire de l'art. D'ailleurs, on remarque qu'il nous a laissé un cadeau pour la postérité.
L'un des médaillons en émail posé sur le cadre du diptyque de Melun est un autoportrait de l'artiste. Son nom est noté en légende. Aucune confusion n'est possible. Par cet acte créatif fort, il contribue à séparer le statut de l'artiste de celui de l'artisan. Un geste audacieux pour un homme du XVe siècle, mais cette signature, c'est aussi la marque de son génie. Pour voir certaines des œuvres de Jean Foucault et celles des artistes qui ont marqué son temps, je vous invite à découvrir l'exposition « Les arts en France » sous Charles VII, qui se déroulera du 12 mars au 16 juin 2024 au musée de Cluny à Paris. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, votre dame de la plume qui murmure à vos oreilles, je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.